sont construites avec des briques. On nous a déjà appris, il semblerait, bon, ce sont des rumeurs, hein. Ce sont des rumeurs, les rumeurs disent qu'on a déjà versé 100 millions, mais à qui on a versé 100 millions? Mes chers frères, la terre, c'est le bien le plus précieux que puisse avoir un peuple. Tant que la terre ne se brade pas à la légère. Mais je dis ceci, c'est les colons. Veulent venir investir, nous devons toujours dire avec eux et trouver un dénominateur commun avec eux qui sera avantageux pour eux et pour nous. Mais il ne faut pas passer, c'est pas la fraude. Voilà une première anomalie. C'est un achat à crédit. Alors l'argent doit être versé aux ayants droit coutumiers, qui sont les propriétaires fonciers de ces terres, quitte à eux de payer un certain pourcentage d'impôts à l'État. La deuxième aberration du projet. Les colons disent que cette parcelle de terre sera clôturée sur toute l'étendue de sa frontière afin d'empêcher pendant 99 ans aux Congolais et autres nègres d'aller se promener librement sur ce nouveau état de l'apartheid. Mes chers frères, c'est pas une petite parcelle comme celle-ci, mais c'est tout un pays, c'est toute une région aussi grande que l'État d'Israël qu'on vient prendre. Il va y avoir des entreprises, mais ils mettent déjà une clause qu'on va la clôturer pour ne pas permettre aux Congolais et aux Nègres d'aller se promener librement sur ce territoire. Il faut un passeport, il faut un visa. Mais cette terre appartient à des Congolais. Vous vous rendez compte, mes chers frères, un étranger vient monter les affaires chez nous, nous lui donnons une terre, et maintenant il prétend que nous, pour aller sur cette terre là-bas, il faut le visa, il faut le passeport, alors que nous sommes les fils de ce pays. Vous trouvez ça normal? Deuxième aberration. Non, c'est toujours le même thème de libre circulation. On nous dit que la mondialisation, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Mais vous vous rendez compte que les mêmes colons veulent venir créer chez nous un état clôturé où il ne sera pas permis aux Congolais d'aller circuler librement. Alors c'est pour qui cette libre circulation des biens et des personnes dont on parle dans cette mondialisation, puisque nous, nous n'aurons pas le droit d'aller circuler librement sur ce territoire de nos ancêtres que nous aurons fait louer aux colons.
Vous vous rendez compte? Actuellement, l'Union européenne, mes chers frères, a doublé son budget pour la lutte contre l'immigration. Les Africains sont constamment refoulés en Europe. Refoulés, traqués, arrêtés, tantôt par des charters. Donc, d'un côté, on nous dit la mondialisation, c'est la libre circulation des biens et des personnes. De l'autre côté, on veut créer un État clôturé chez nous, où nous, l'Europe, allons aller circuler librement. De l'autre côté, l'idée de l'Union européenne est triplée pour interdire la libre circulation des Africains en Europe. Alors, mes chers frères, cette mondialisation, qu'on définit comme étant la libre circulation des biens et des personnes, c'est pour qui? Parce qu'eux ont le droit de venir circuler librement chez nous, mais nous, nous n'avons pas le droit d'aller circuler librement chez eux. Alors, cette mondialisation, c'est pour qui? Cette libre circulation, c'est pour qui? Eh bien, je vous réponds que la mondialisation, vue sous cet angle, risque d'être une théorie, une doctrine confectionnée par certaines personnes de ce monde, théorie qui devait leur permettre de faciliter la domination des peuples faibles et naïfs. Voilà. La troisième, l'autre aberration, les colons ont dit qu'une fois qu'on leur aura donné cette terre, on va la détacher de la République démocratique du Congo. On va la séparer pendant 99 ans. Ça devient un autre pays. Les autochtones de ce terroir deviendront des gens colonisés. Mes frères, mais moi j'ai souvent entendu dire les Congolais qu'ont 15 cm carrés de la République démocratique du Congo ne sera pas séparé de ce pays. Les colons disent qu'ils vont séparer pendant 99 ans cette parcelle de terre et soumettre les Congolais autochtones de la région à un régime colonial. Or, la loi de l'indemnité du territoire dit que pour 15 cm carrés de la République démocratique, on peut être détaché pour devenir un État indépendant. Donc ce projet qui consiste à détacher cette région et de la mettre sous l'administration des colons pendant 99 ans est opposé à la loi de l'intégrité du territoire. La première colonisation belge a duré 80 ans. Et maintenant les colons disent pendant 99 ans, cette région va être détachée de la République démocratique du Congo. Elle va être gouvernée par des colons. D'ailleurs, les colons disent qu'à la fin de ce délai, ça devient leur terre. Donc, un État indépendant. En cautionnant ce projet sous cette forme initiale, on peut améliorer ce projet. Mais en acceptant cette forme initiale, nous cautionnons la balkanisation du Congo. Parce que nous aurons accepté le détachement d'une région et faire de cette région un pays indépendant par-dessus tout qui appartiendra à des étrangers. Donc ce projet, vu sous l'angle d'un vrai patriote congolais, ce projet est opposé à la loi de l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo. Il est dit par les sages que celui qui ne connaît pas son passé ne peut pas faire des projections fructueuses pour le futur. Parce que le passé a préparé le présent, qui est en train de préparer le futur. Or, en 1960, les pères fondateurs de ce pays, de l'indépendance, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Il était dit en 60 que l'indépendance que nous venons d'obtenir est pour tous les citoyens congolais. Et plus jamais un citoyen de ce pays, on n'acceptera plus jamais qu'un citoyen de ce pays soit soumis à un nouveau régime colonial qui lui ferait perdre cette indépendance qu'elle venait d'obtenir au prix des lourds sacrifices. C'est ce qui était dit en 60. Nous voyons que ce projet dit clairement que ce sont les colons qui vont diriger là-bas et que les Congolais autochtones de là seront simplement soumis au statut des colonisés. Ce projet donc est opposé à l'indépendance que les Congolais ont chèrement acquis en 1960. Voilà
une autre opération.